Toulousain. 80 mètres encore et une minute dans ce match. Payog avec Jacques Duplessis. Ce qu'ils n'ont pas fait en 79 minutes, vont-ils le faire en 50 secondes? Ça fait maintenant presque 3 matchs et demi qu'ils n'ont pas marqué d'essai. Il leur faut cet essai au Montpellierin. Mais Johan Hugé, les Toulousains, ils résistent avec l'en avant. L'en avant des Montpellierens sur cette percussion. 30 secondes à jouer. Toulouse qui va faire le coup. Toulouse qui va encore aller chercher une victoire à l'extérieur. C'est bon pour moi, c'est bon. Toulouse qui va suivre le train d'enfer de La Rochelle. Non, parfait. Et après le Racing, après Brive, après Pau, après Bayonne. C'est un cinquième succès des Toulousains qui se dessine. 2021, la dernière saison professionnelle de Johan Hugé, va commencer par une victoire à Montpellier, là où les Toulousains ne se sont pas imposés depuis 2015. 5 longues années sans gagner ici. Il n'y a pas de blessé, il n'y a rien. Ouais, on était concentré sur ce match, ça a sonné, c'est un nouvel essai de La Rochelle. On va y aller dans quelques instants, on va avoir 10 minutes avec seulement cette rencontre dans le multi-rugby. Les Rochelais qui inscrivent un nouvel essai, c'est dur pour Agen. C'est Grégory Aldry qui répond à son pote Pierre Bongarit. Il y a une battle. Il y a la bataille des Occitans cet après-midi. Alors on reste bien sûr à Montpellier et on repart à Agen dans quelques instants. La dernière mêlée de cette rencontre, Nicolas. La sirène vient de retentir, il va falloir faire l'effort une dernière fois pour les Toulousains, canaliser ce ballon et taper en touche peut-être, mais il y a une pénalité. Ils vont s'en sortir et ils vont gagner avec une équipe fortement remaniée, avec des papas sur le banc pour terminer le score, le résultat, le match. Et Xavier Garbajosa qui porte toute la tristesse de Montpellier sur ses épaules. Nouvelle défaite à domicile, la troisième cette saison. Toulouse qui remporte un cinquième succès loin d'Ernest Vallon. Victoire 16-9 à Montpellier.